C'est Calmont, c'est là, genre. Là, t'es sur la vidéo de Calmont. Bon, toi, il doit être 18h, parce que c'est à peu près là que je poste les vidéos. Nous, il est 3h du mat. Et regarde dans quel état elle est à 3h du mat. T'as le look, pas de doute, mais Kiki. T'as le look, Coco. Bonjour. J'ai pas dormi. Ouais. T'as vu, j'ai pas dormi, je suis la plus en forme. Dans 10 minutes, je dors. Vous voulez pas du trajet, sachez-le, profitez de ce moment. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Il était dans son paquet, mais comme on l'abandonne 4 jours, et ben, je l'ai laissé. Il garde le baquet, Lucas. Bon, bah, on va aller voir l'équipe, ils sont là. Tu rigoles, moi déjà, tu vas fermer ta gueule, hein. Tu vas fermer ta gueule. Vaut mieux faire tourner une histoire qui n'est pas une histoire. Isabelle, les yeux bleus, elle les avait pas. Heureusement qu'il est 2h du mat. J'en sais rien, mais bon, peut-être rentrer en train. Mais on n'est pas blindé du tout. Regarde-le bien, c'est la même. Oh là là, mais quel enfer. Je vais faire du 32 litres au 100. Attends, on va faire le cri de la mouette. Attends. Ma petite mouette. On a dit Titi, on attend 7 mois avant de faire un pouce en diamant avec le... Ma petite mouette de Berck. Voilà. Elle va nous accoucher sur la table. Poussez. Attendez. Poutez, madame, le verre. Alors, il fait 22 kilos, 18 ans. Passe le père la semaine prochaine. Il est là. Tu reviens d'où, là? Belgique. Belgique? T'étais à Spa? Non. Ah. Pas au Spa non plus. Merde, tu vas... Séverine, va t'habiller, on y va. Ça se voit pas. Bon, on va y aller, hein. Il est quelle heure, là? 3h50. 3h30. Je suis trop tôt. Ouais, vrai, une demi-heure de retard, ça va. Ça améliore, hein. Parce que d'habitude il y a une heure de retard, donc moi j'ai pris une demi-heure. Normalement on aurait dû partir ce soir. Max, qu'est-ce que t'en penses du week-end water polo qu'on va faire? Alors lui il est venu, frère. On m'a pas prévenu qu'il fallait prendre un maillot de bain. Frère, il a rien pris, c'est-à-dire pas d'accréditation média. Pas de maillot de bain, rien. Non, on va remettre les choses au clair tout de suite. Le gars. L'accréditation de médias, c'est toi qui me l'as fait la dernière fois. Oui, oui. Moi, j'ai pas reçu le mail parce que c'est pas moi qui reçois les mails, d'accord. On me dit, il y a pas d'accréditation, deux jours avant. Super. Donc il va être où? Pas à côté de la piste. Super. Ah, on va essayer de gérer. Bonne idée. En même temps, c'est normal. Je viens en fait. En même temps, c'est normal, t'as pas fait tes cheveux roses. Comment tu veux t'accréditer? Je crois que c'est pour ça que je les ai eus la dernière fois. Bah oui. C'était le move. Ouais, j'ai capté. Non, mais c'est pas grave, j'irai filmer le paddock quand tu seras pas là-dedans. Il est 5h30 du matin. Premier arrêt. Il nous reste 600 km. Super! Premier arrêt. Oh là, Maxime, il est en train de dormir. Au milieu de deux zigoutos, là, le sommet. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là avec ton flash? Vas-y, laisse-moi être tranquille. Tu es toujours. Toi, t'es insomniaque de toute façon. Est-ce qu'on commence à rouler? Eh, 140, c'est pas mal. Non, je lui ai dit, ouais. Pas mal. Tu dormais? Eh, on me laissait rentrer, d'accord. Cul, putain, je me l'occupe. Ah bon? Ah ouais. Et mon baby, il est où? Là. Ah bah, il est là. Oh, toi aussi, tu dormais. T'arrives pas? Il a succombé. Il a succombé, mon gars. Il a dit non, monster. C'est pas déconnant? C'est pas mal. C'est vrai que c'est sucré. Ça va toi? Et lui c'est une épave mon. Je vais dormir moi carrément. Oh là là. Allez Titi. C'est pas à faire des conneries. Non, bon, je joue pas comme ça. Oui, bah non, mais c'est moi qui en chie après. Hein, voilà. HPSR, on montre tout. Hein. Oh, kikette. Alors, de la lecture, Total Energy, du 1er août au 30 septembre 2023, rendez-vous sur notre boutique pour jouer et retrouver votre kit supporter. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si c'est la Coupe du Monde aujourd'hui. Je prends doucement. C'est pas plus dur, ça, c'est quelqu'un, moi. Ça va? Ah, nickel. Ça va, c'est pas trop gênant. Non, ça va, c'est cool. Non, lui, il est déjà au café, frère. Il est 5h du mat, ça y est, il est déjà au café, lui. Putain, la drogue. Non, c'est pas le drogue. T'es toujours pas habillé, hein? Non, ils ont pété les flex-flex. C'est la sortie mensuelle de l'hôpital de jour. T'es juste en contact, viens là, Boris. Vas-y, fais le digicode. Et lui qui scanne sa carte bleue. C'est bon, c'est passé. Oh putain, on n'est pas encore arrivé. On n'est même pas parti presque. Tu m'as fait niquer.
Allez. Oh, vas-y, donne-moi mon mec, ça m'a fait ta mieux. En plus, il y en a deux. J'aime tout de suite comme ça. Ils sont insupportables. Viens, fais du saut en longueur. C'est plus lourd qui va. Ah, c'est il a failli se casser une cheville là quand même. Ça va, les t-shirts, non tout va bien. Ah ouais, c'est l'habitude. T'as une coupe, ouais, t'as une coupe c'est, requin c'est là. C'est pour se racheter des couleurs. Ah, je suis content, il y a son putain de pipe de porte de merde là. Putain. C'est horrible. Ça va, il ne reste que 700 km. Ah ouais. On prend un PSP car, le machin. Quel enfer, ben, c'est galère. Bon les gars, on a mangé, hein, mon petit Voss. Et là, bah, on va reprendre la route. Il nous reste 3 heures de route, 280 bornes quoi. Donc ça s'est super bien passé le trajet. On a bien rigolé, on a dansé, on a chanté. Et ça fait plaisir. Nous sommes arrivés. Toute l'équipe s'attelle, hein, s'attelle. Oh. Regardez la plus belle chose au monde. C'est incroyable. La plus belle chose au monde, elle est. Regarde, tourne. C'est vrai. On met le stand. Voilà, tout simplement. Ça a été le voyage. Fatigant. Tu trouves que c'était fatigant? À peine. Quel mytho. Ça a été le voyage. Ah oui, super. Bah oui. Facile à dire quand tu dors. J'ai pas dormi, j'ai dû dormir, allez, une heure. Véridique, il a dormi. 2 fois 4. Non, une heure. Ouais, une heure. Merci Voss, toi t'es un vrai toi. Pas comme eux là. Voilà, je savais qu'il allait voir ça. T'en as, ils font rien. Voilà, ils sont là. Sous prétexte qu'ils attendent un petit bébé Titi PSR. Bravo, super. Non mais. Ça va, tranquille? Tout va bien? Je le cherchais chez moi. Alors là, attention, on a un beau gosse qui est arrivé. C'est un pilote hors pair. En plus, il roule en LS. Regarde-moi la sexitude de ce mec, quoi. Fais-leur un bisou. Je suis pas là. Ça va ou quoi? Bisous. Tu vas bien? Attends. T'es ouais. Bon. Oui. Contrôle panier. Ouais, non, je regarde la charrette, le char, là, comme ils disent les Canadiens. Je regarde là où ça a pas été chiqué, là où c'est pas serré. C'est un peu sec. Bah, un peu partout, quoi. Là où, genre. Je n'ai pas eu le temps de le faire, bande de. J'accrame de quoi? T'es pas mécanicien, les mécaniciens. Mais regarde tes niveaux, quand même. Ils ont des affaiblissements, tes unes. Écoute-les, ceux-là, là. Quand je les appelle, oh, j'ai aquaponais. J'ai machin, j'ai truc. Vas-y, dites. Lui, il est jamais là. Oh, ouais, bah ouais, des enfants. Lui, il est jamais là. Parce que non, lui, il est excusé. Et Titi, mais lui, là. Et Titi, c'est quoi, il veut hey. L'autre, il me dit, faut passer là. Il y a un ravin. Bah oui, là, là. Mais il n'y a pas de chemin, Taras. Tu passes pas par là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? T'as cru, Média, c'était le cas. C'était le cas très toi, t'as cru, t'en es au fond. On m'a dit, écoute, à Calmont. Passe là. Là, tu y arrives, pas sûr que tu rentres. Moi, c'est. Non, là. Je t'avais dit de pas prendre de short. Je l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Tu m'as rien dit du tout. Oh Marco, je lui ai dit ou pas? Tu lui as dit. Tu sais que je suis un mec avisé. Avec le temps. Tu sais. Est-ce que je suis en short? Ça dépend. Ah mais toi tu les vois. Oh, il a dit ça dépend. Oh. Le gars fait pas son accrète, c'est moi qui lui gère le problème. Ouais. Et après il ouvre sa gueule avec moi. Hey, la prochaine fois la tête de ma mère tu gardes le canon. Pas moi, c'est Monsieur Jojo qui devait. Oh ouais, 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 bah ouais. Je vais te torcher le fion aussi, j'ai pas autre chose à. Ouais bah merci, merci. C'était au bout de deux fois quand même. Bon les gars, on est en place. Notre cher étant Monsieur Explicite est là.
Lionel. Donc c'est grâce à lui qu'on a les canettes. Donc dans les commentaires, tu me dis merci monsieur explicite. Voilà. Et puis comme une nouvelle vient jamais seule, bon, on expérimente un petit truc. Hein ? Un tout petit truc. Un tout petit truc. Les granités. Parce que le dosage, on est en train de voir les dosages. Hein, Max ? Ouais, bah oui, on s'y prend toujours à la dernière minute. Oui, bah bien. Écoute, c'est demain. Là, on a 13 kilos de sucre pour 4 litres de sirop. C'est pas mal. Pour le moment, là, t'as de quoi nourrir 13 millions de Somaliens. T'as chargé ? Presque. Les gars, il y a deux places dedans. Ah, bah ouais, bah c'est bon. Vous faites exprès ou quoi ? On était bien à 4. On était bien. Bah ouais. Ah mais c'est bon, Bernardo, il y a deux places. Il y a une place. Bon, écoute, hein. Toi, il est derrière. Allez, l'enfant. Ça va, toi ? Oui, toi. Ça va, toi ? Putain, j'ai l'impression qu'on peut faire ramener quand on sera arrivé, les gars. Viens, il y a Vincent. Il y avait quelqu'un qui traversait. L'autre, il traverse en plein au milieu de la route, gros. Plein milieu de la route, il traverse, putain. Attends, il y a des fourmis qui traversent. Il a fait du rallye toute la nuit, toute la semaine. Non, non, c'était juste 15 minutes, frère. Ouais. Quelle 15 minutes, frère, ça fait une demi-heure, une demi-heure. Je sais même plus comment je me. Il y avait deux places en plus dans la voiture. Je sais même plus comment. Vous avez l'air, vous êtes blanc. Mais rouge. Ouais. Tout à l'heure, il était rouge, maintenant il est blanc. Vas-y. Et Max, c'est le pire média que j'ai jamais vu, frère. Faut lui faire les accrèdes. Il faut. Il mais j'y vais là. J'y vais. Da bisous. Hein. Attends, j'ai une tire-blaise, c'est bon. Ça marche pas beaucoup, hein. Oh, quel enfer. Maman, il y a le charbon. Ah, oh, il fait chaud là. Bon, voilà, là, en face. Tu veux qu'il orange comme un poule. Niveau, je vois plus que le niveau. Bon, Adrien, on est comment là? Mal, mal, très mal, très mal, très, 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 très mal. C'est à dire que bah, la caisse elle est prête. Ça y est, on sait pas ce que ça va donner. Ça va le faire. À tel que pourra. Ou du papier jaune. Ouais, du papier jaune. Oh mon dieu. Mais du rouge comme la caisse. Je t'ai lâché un truc dessus en plus, je l'ai arrosé le bordel. Je viens de prendre sa douche. Non, mais ça va le faire. Ouais, ouais, en théorie, ça va le faire. Non, c'est jamais avec cette caisse. Mais c'est regalère. Advienne en fait, qui pourra. Ouais, nouveauté pour le CFD. Juju, tu vas t'en occuper. Vas-y. On va essayer. On va faire des esquimaux. Tra-la. T'as pas goûté, toi, encore? Non, pas encore. T'as encore pas goûté? Non, pas encore. On va essayer ça. Tra-la. Et du coup, c'est le goût de l'original. Ben sauvage, mais oui, c'est ça. La rouge à la base. C'est ça. Alors là, ça va être le goût de la canette, les gars. Le goût de la canette, mais en granité. Ça va être incroyable. PSR innove, PSR investit. On a des bonnes idées de temps en temps. Ouais. On essaye. Ça va être incroyable, les gars. Bonjour. T'es pas encore parti, je veux. Bonjour, encore parti. Super. Bon, je suis très détendu, un peu trop. Ah ouais? Ouais, je sais pas. C'est bien, je suis content. Je me suis changé dans mon petit camion tout beau, tout propre, tout neuf. Première fois en plus. Première fois, c'est génial. Il y a beaucoup de monde. À 5h du matin, les gens étaient déjà en train de faire la queue pour aller dans le public. Bravo. Puis bah voilà. Hein, on va s'amuser. On va essayer de faire un peu de spectacle. Tu connais quoi? Du grand Jojo. Un bout de gomme de pneus qui est dans les collecteurs. T'as pris. Un petit peu merde. Voilà, je vais refaire une chauffe pour qu'il crame et quand il aura fini de cramer, il n'y aura plus. Donc tu nous as fait peur. Peut-être avec une petite flèche ou quoi? Ouais. Bah tu sais, vous avez le camion, vous avez tout. Ouais, t'as quelque chose tout à l'heure. Attends, toi, pour un truc où tu t'en chauffes. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, oh, c'est beau, ouais, c'est beau. On a fait un petit peu de ce qu'on voulait. C'est beau, c'est beau. C'est où la bonjour place, monsieur, là. Comment allez-vous? Ouais. Ah là là. Bonjour. Allez bien? Ouais, ouais, c'est bon. Là. Parce qu'il a eu la chance de prendre la piste avec cette belle pépite. Là. Oh là là. Là tu te mets dans le trou. Oh là là. On va y arriver, viens, on se fait un bisou. On arrivera à se rouler de fesses, on va expresser. Ça va? Et toi? Ça va, tranquille. T'as la force?
Mais c'est vous. Allez, bon courage pour toi. Bah toi aussi. Ça va mon Jojo? Toi ça prend peu mais que t'as l'habitude. Regarde-moi cette tête de beau gosse. Tu parles. Mama, comment il est beau. Ouais, cet après-midi, je vais... Là. C'est vrai que je te les raccourcis, ça, ou pas? Non. Non, non. C'est pas trop bas. Non, non. Non, ça va. Elles sont pas trop basses, les sangles. Je vais faire des jours. Non, non, c'est bon. Ok. Comment ça se passe, ça, hein? Ça va, Michou? Ouais. Ah là là, regardez-moi ce beau gosse, comment il est venu. Fatigué. Là. Fatigué? Encore. Comment ça se fait que tu t'es tapé un kiff à venir? T'étais pas censé être là, toi, de boss? Bah. On n'avait pas notre sauveur Michou, normalement, calmement. Non, normalement, non. Bah, il s'est proposé de m'emmener. Du coup, hier soir, j'étais au restaurant. Je suis sorti à 23h. On est parti à 1h. On est arrivé ce matin à 8h30. En plus, il est à l'heure, quoi. C'est incroyable. En plus, je suis à l'heure. C'est incroyable. Oh là là, quel beau pour gosse. Pour une fois, ouais. Mama ça biche. C'est bon les gars, tu sais, genre il faisait comme ça. Pourquoi t'es passé par où, Johan? Ouais, t'es passé par sur la piste. J'ai passé la piste avant tout le monde pour être bien sûr. Pour Jordan. Oh là là, incroyable. On l'a fait descendre par la piste avec son petit M2CS. Hein. Mais comme d'habitude, hein, toujours à l'envers. Tout ça. T'avais envie de faire des trucs quand même. Je me suis dit, je peux pas arriver sans rien. C'est pas possible. Hein. Il a descendu la piste devant tout le public, normal. Ils se sont dit, mais attends, sa caisse, elle est beaucoup trop normale pour passer par là. Incroyable. Incroyable. Ah vous t'aimes pas, hein. T'aimes plus pas. Que tu me fumes, ça va plus. Ah ça va plus, hein. Ah ça va plus, hein. T'aimes pas ça, hein. Ah là là, quel beau gosse. Y'a du bon, y'a du bon.
Ça fume encore énormément, ils n'arrivent pas à éteindre le foyer en gros. C'est un flambeur, Igraz. Il a mis le feu au virage de Calmont. Heureusement qu'elle n'était pas contentée. Mamazette. Bon Adrien, on est comment là? Après cette première manche d'essai. On a bien kiffé la caisse. Ouais. Ça roule bien. On a eu une petite bobine qui était débranchée. Ouais, j'ai entendu ça. Maintenant, bon, on les a bloqués. Ouais. C'était quoi qui était débranché du coup? C'est celle-ci en fait qui s'est débranchée. Elle était sur les 8 et c'est sur les 7. Donc c'est pour ça qu'il avait une perte de puissance. Voilà. Et un peu de coupure et tout. Sinon, bah, la caisse elle va bien, il aime bien le châssis. On est confiant? Enfin, moi il m'a dit avec le run que j'ai fait, normalement je vais faire un top 1. La vérité qu'il a dit ça, hein, donc maintenant faut qu'il assume. Il a vraiment dit ça? Ouais, il a vraiment dit ça. Quel enfer. Top 1 ou rien. Let's go. Adri, tu fais quoi? C'est du made in. C'est quoi ça? Pays lointain. Mais du moment que c'est efficace. Qu'est-ce qui t'arrive, Jenny? Tu fais une tête, mon frère? On vient d'apprendre que. Il Max roule en formule. Alors, c'est pas comme s'il a fait là toute la saison avec nous, hein, du coup, on le voit tout le temps. Ouais. Il roule en monoplace. Vous savez où Tchouf il roule là, chez Wolf Racing? Et ben, lui aussi, il y roule. Mais personne n'était au courant. C'était dans la plus grande indifférence de tout le monde. Arrêtez, on peut l'applaudir. Ouais. On prévient maintenant. On sait pas, il sait pas parce qu'il s'en fout tellement qu'il sait même pas la date. Normalement, en octobre, il y a Le Mans. S'il y roule, il et bah, y a toute la team qui y va. Et on va aller le supporter. On va changer un petit peu les rôles. Ça va être cool. Moi ça me plairait, moi pour une fois que moi c'est pas moi qui roule. Pour une fois que je peux être dans les tribunes. C'est franchement pas mauvais. Je sais. Ah, il est arrivé tout en sueur, je me suis dit. Ah bah ouais. C'est bien gentil. Ouais. Ça c'est Guigui ça. Ah non. Bon c'était pas loin.
Ça va bien. Mais vas-y, en vrai, la maman, je vais continuer à faire. C'est une bonne idée, hein. J'ai roulé comme un... Ça a l'air super bon. Depuis ce matin, on a fait des retours de l'eau. Ça part comme des petits parcours. C'est pas mal. Eh, mais les gars, vous êtes seuls. C'est juste qu'il y a de nos âges. C'est vraiment une bonne qualité. La menthe. Ouais, c'est bon, ouais, menthe. Ben, sauvage. Une sauce de framboise. Déjà, ce que j'aime, c'est que c'est pas trop sucré. Ouais, grave. Maman, quel homme? Maman, Seigneur, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Avec Jordan Lapelosa. C'est génial. Ah mais il est doué dans tous les domaines celui-là. C'est incroyable. Wow, wow. J'ai sous-traité les gars. Donc il fait mécano, cuistot et photographe maintenant. Incroyable. Eh les gars, c'est ça, on sous-traite maintenant, on sous-traite. Montre-leur à quel point il est beau. Tu veux je leur montre, c'est ça? Je vais épouser cette Est-ce que j'ai pris les... Ah bah non. Bah bien sûr que non.
Et ça, c'est la bonne excuse pour te faire venir au paddock tout à l'heure. On est à côté du stade. Si tu peux pas perdre la main aussi, s'il te plaît. Allez, go. Vas-y, en plus, eh, il prend le stylo et la caisse. Incroyable. J'ai encore de la paille de tout à l'heure. Tiens, mon gosse. Maman, ça va. Si gentil, monsieur Gérard. C'est un amour de l'amour. C'est-à-dire, il y a l'amour. Ouais. Et à côté, il y a l'amour de l'amour. Bah, c'est monsieur, monsieur. Voilà, c'est monsieur Éric Gérard. Et c'est bien, puisque avant, il galérait. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et cette année, pump it up. Il va dans les rambards, fait des backwards. Il a débranché le cerveau. Quoi. Il a débranché le cerveau. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que cette année, de base, il ne devait pas faire le championnat. Parce que, bon, bah, on le sait, au championnat, quand tu ne fais pas des bons scores, bah, ta place est donnée à quelqu'un d'autre. Et pardon, je te plotte. Et cette année, il y a eu, il a fait une wheel card à Val d'Argenton et il a fait top 16. Donc direct, il vient rouler toute l'année. Donc c'est très très cool. Incroyable. Donc c'est pas déconnant. Bravo monsieur Girard. Marc-Antoine et ma trottinette. C'est moi. Ouais. La dernière fois c'était les self-beach. Maintenant je vais faire dire à tout le monde je suis quel Marbeau. Tu vois ma bouche s'est déformée ou pas? Oui. Vas-y refais. Marbeau. On va faire un ralenti. Vortex, tu le fais? Marbeau. Vas-y. Marbeau. Marbeau. Oh merde. Je veux, je veux. Boris, tu peux le faire? Ma balle. Ma balle. J'ai dit ma balle. Callaghan. C'était comment? C'était très bien. D'ailleurs, quand je me suis fait plaisir. Tu t'es fait plaisir? Callaghan, plaisir. Callaghan sourit. Callaghan sourit. Magnifique. Ouais, c'était bien. Par contre, j'ai cramé un peu, t'as vu? T'as... Beaucoup même. Putain, mais attends. Ah ouais. Ah ouais, ouais. T'es encore plus... Donc, dommage... L'ombre. L'ombre, ouais. Ombre. Et bon courage pour demain. Merci. Et si vous voyez Gilou, vous criez Gilou. 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 C'est King, d'accord. C'est le signe. C'est le signe. C'est pas un flamant rose? Oui, c'est plus un flamant rose. Ouais. C'est un signe déguisé en flamant rose. Ok, ça marche. Merci, mec. Quel enfer, qu'est-ce qu'il faut? Salut. Salam alaikum, Bouya. C'est Calmon baby. C'était comment hier? Calmon baby. Au bord de la piste. Incroyable. Incroyable. Mais il y aura la vidéo de ma réaction un peu. Avec un grand sourire. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ouais, 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 un peu en vidéo. Ouais. Les gars, ça vous dérange si on a qui bosse ou c'est oh, compliqué? Ça va, ça va. Il va jeter les pluies, ça. Et après, vous démerdez le frère. Lui, il veut juste sa table, en fait. C'est surtout qu'on est là et il jette les pneus là-bas. Bon, les gars, aujourd'hui, jour de compétition. Qualification ce matin. Et on espère battle cet après-midi, si tout se passe bien, si on fait du score. On va demander la puissance du sponsor des pneus. Café. Oui. Café. À savoir café. Si les pneus, on change ou pas. Oui. Il y a de la puissance. Oui. C'est que Nova est là. Il a fait quoi? Il est désespéré. Dang. Et ça tient en plus. Pas grand chose. Là, il y a un petit trou là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Boris, de ce nouveau mécano? Bah quoi? Viens, maman! Je pense que ça il peut être. Fort, hein, il peut être que mieux. Il a dit, il était chaud pour la mécano. Il peut être que mieux. Bing. Bing. Boris. C'est censé être ton taf, ça encore. Deux. Bah, de mettre les GoPro, tu sais, le truc média par exemple. Il délègue tout, hein. Bientôt il a le temps chez le cul. Incroyable. Incroyable. Bientôt il va même déléguer le montage. T'es sur la sellette. Regarde-moi quand je parle. T'es sur la sellette, mon gars. Et on manque là. Ah ouais, on m'envoie. T'as éternué. T'as dessus, toi là ou quoi? Regarde, t'as craché.
fallait pas ah, ça. Vu, ça sonne. Si t'as plus deux fois, si Ah non, il a trouvé. Il paraît qu'on a les potes qu'on mérite, je sais pas ce que j'ai branlé, mais... Attention, parfait. Oh. Stéphane. Stéphane. J'entends Stéphane, moi. Stéphane, you lie. Qui me l'a donné le petit truc pour faire de la musique dedans, quand tu parles dedans ça serait pépette. Et quand ça serait pépette, bah, tu peux redire ce que t'as dit parce que t'as pas encore compris ce que tu viens de faire. C'est quand même le fait de 15 gars. Oh, ça se passe avec un. Ouais, c'est ça. Oh, t'es ma pensée vite que ça. Ah, t'es le mec, s'il te plaît. Wesh, c'est quoi ça? Ah, c'est un le bâtard. Mais le pire, c'est qu'il n'y avait même pas de pain au chocolat. Le chocolatif. Franchement, il n'y en avait pas de beignet au chocolat. Chocolatif, c'est dans le. Il n'y avait pas de beignet. Le mot aussi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. À poil. Avec la mousse, bordel, merde. Un effort. Je suis même en avance. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est-à-dire que le live n'a pas commencé et que je suis déjà en train de m'habiller. Oh là là. Que d'habitude, bon, j'attends 5-6 bagnoles qui passent. Et là, non. Là, je suis... T'es au taquet. Je suis bien. Ouais. Il fait pas trop chaud pour l'instant. Là, il fait super bon. Ouais. Il fait vraiment bien, frais, tout nickel. Et puis voilà, hein, rien n'a changé depuis hier, hein, le calife, on va donner le meilleur de nous, comme d'habitude. Vous êtes complètement détarés, hein, je tenais à vous le dire, puisqu'à 5h40 du matin, un tiers de la tribune était déjà pleine. Et ils veulent leur place. Hein. C'est un truc de ouf. Vous êtes des grands malades. Les mécanos vont bien. On a passé une super bonne nuit. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Parce que nous, là, on a fait la fête. Les copains nous ont donné un verre, ça va. Deux verres. Bon, je commence à voir toutes les filles super belles. Deux verres. Elle va partir se coucher. Ils sont tous déchaînés. Ouais, ils sont en forme. Oh là là. Ils sont en forme. Même Adri, il est complètement fou. Ouais, Adri, c'est incroyable. 4 000. Je sais pas. Ah ouais, quoi. Je vais regarder sur le live et. Sur moi, pourquoi t'es nul. Oui, ça, je me souviens. Et je suis un peu trop détendu des fois. Mais bon, apparemment, ça m'a réussi parce que hier, j'étais très très détendu. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. C'est vrai que t'as pas eu un pet de stress. Genre, t'es arrivé, t'as dit, bah en fait, là, j'y vais. Voilà, je sais pas. D'habitude, je suis pas stressé de base. Je suis jamais stressé. Je suis stressé avant. Oui, mais t'as toujours. Pendant la semaine. Genre. C'est un enfer, Jojo, la semaine. Genre, la semaine dernière, donc on a préparé les t-shirts, tout ça. Hey, j'ai eu des crises d'urticaire, j'ai eu des crises d'angoisse, je faisais caca tout mou, un truc de malade. Hein. Et là, j'ai pas de stress du tout. Donc, bon, bah, écoute, hein. On va pas se plaindre. Bah non. Pas se... On vise quoi là?
La meilleure place. D'habitude, je dis bon, là, faut. Un petit top 16. Un petit top 8, d'habitude, je dis bon, ce serait bien de se qualifier. Là, je veux faire la meilleure place possible. Voilà. C'est dit. Dès le début. Dès le début. Ça, incroyable. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de je sais pas quoi. Moi, j'ai Adri hier, on a parlé un peu, il m'a dit franchement, s'il nous fait comme hier, il y a moins qu'il aille nous chercher un petit top 8. Ce que j'ai aimé hier, c'est que c'est la première fois. Alors, déjà, pour moi, je dis bien pour moi. J'ai jamais aussi bien roulé, c'est-à-dire parce que j'ai été régulier sur chaque run, c'est-à-dire chaque run, il n'y a pas grand-chose à enlever, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment bien, quoi. Donc je suis très content, c'est-à-dire que je progresse, et tant qu'on progresse, c'est qu'on va plus loin. Moi, comme je t'ai dit, Adri, il a dit il y a moins de viser un petit top 8. Voilà, ça, il me l'a dit hier. En fait, tu peux pas prédire top 4, top 5. Oui, c'est ce que je dis, ça dépend, tout ça. Ça dépend de tellement de choses, ça dépend contre qui tu tombes. Ça dépend de la voiture. Ça dépend de tout, en fait, de tout, tout. Tu peux pas dire aujourd'hui, bon, top 8, non. Si, ou alors tu t'appelles James Dean ou Priot, tu vois. Bon, là, d'accord. Mais bon, je suis pas James Dean, et je suis pas Priot. Donc, je peux pas dire. Pendant ce temps-là, regardez-moi ça, là. Oh là là. Ça stick, ça prépare la voiture de fou. Incroyable ces mécanos. Lui, il a le meilleur prénom au monde, je tenais à vous le dire. Ouais. Ouais. Franchement, t'es magnifique, Maxime. Ouais, toi aussi. Je te le dis aujourd'hui. Ouais, toi aussi, t'es vraiment à cœur. Franchement, t'es. T'es incroyable. T'es mon rayon de soleil. Waouh. Merci, Maxime. Mais bon, merci à toi, Maxime. Camion, hein. Ouais. Je vous laisse le camion. Faites votre life. Juste à mettre mon casque, mes gants et let's go to the hell. Maman. Je suis devenu anglais carrément. Bon, vous avez vérifié les cardans. Ouais, on check un peu le jeu comme ça, mais je sais pas si c'est pas bon feeling. Là, il y a un peu de ce côté-là, il y a un jeu. Je sais pas s'il aura fait un de plus. C'est un jeu dans le tripod. Ouais, donc c'est. C'est-à-dire qu'il va prendre des à-coups et ouais. Bah. Ok, donc là, on le change en préventif. Avec des vieux déjà qui sont déjà eux aussi poncés, ils sont quand même beaucoup mieux. Ok. Donc là, ça allait péter. Ok. Voilà, merci. Mais on va prévenir que. Et puis surtout le départ de Jordan Lapelosa. À l'attaque, Jordan. Ouh, on est. Essayez de vous laisser profiter un petit peu plus de la mécanique des moteurs, justement, sur ces qualifications. Jordan, hein, qui est venu frapper assez fort le rail au déclenchement. Alors, rien de très très grave, on reste un petit peu dans ce que nous a proposé Jules Duval tout à l'heure. Les points avec la 7e place au provisoire, 83 km/h pour le déclenchement. Donc, on a pris du rythme. Quel enfer! Soin by CFD. Je suis de beurette. Soin by CFD. La gomme dans les cheveux, c'est trop bien. Allez! Vas-y, les gars, balancez! Là, c'est en bien, ça fera du contrôle. Il est beau, hein? Ouais, j'avoue, il est incroyable. Il est beau, hein? Il est incroyable. On l'aime, hein? Regardez ses longs cheveux. Ils sont plus beaux que moi, ses cheveux. C'est, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. Tu fais des soins de l'espace, en fait, t'es une vraie meuf. Ah, aucun soin. Tu sais, le gars, il est comme ça, genre là. Ah, L'Oréal. Je prends mon cheveu là, je fais. Je suis. Moi aussi, j'ai les cheveux, ils sont pleins de gomme, ça.
J'ai trop. Mais arrête. Quel bâtard. Allez, arrête-moi ça. Tu disais. Moi, ouais. Je suis quelqu'un de très sage, ouais. Très sympathique. Mmh. J'embêterai jamais, mais jamais les copains. Jamais, je suis pas comme ça. Coup, hein. Eh ouais. Qui est pas si loin que ça. Notre ami Jordan. La PSR Family. Avec Jordan. Avec son beau break. Avant de rentrer au clip numéro 3 qu'il a gardé droit. Je pense que si. Pourtant ouais, il y a un peu frotté ça. Ouais. Mais ouais, son E30 Touring je vraiment. Je pense qu'il va mieux là depuis qu'il roule en 18 en plus. Ouais, avant il était encore en 17. 17 ouais. Okay. 12e place. Ça améliore, ça améliore. C'est super. Il a fait un bon job. Voilà, Jordan qui se met au frais du coup. Comment tu dis ? Ouais, qu'est-ce qu'il y a ma poule ? On tombe sur Wilson Delagrange. De la balle, non ? Très bon pilote, très 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 bon pilote, grosse voiture. Ouais, il a fait un, ouais, E21 avec un M3 turbo, je crois. M50 turbo ou quelque chose comme ça. Comment tu le sens, toi ? Tu dois t'amuser ? Oui, moi je suis là pour faire du plaisir et c'est tout, tu vois, genre. Et faire plaisir au public. Voilà. Ça peut être un très beau battle. Ça peut être un très beau battle. Voilà. Donc, si tu regardes ça, mon petit Wilson, je te fais des bisous. On va bien s'amuser. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici à Calmont, justement pour profiter eh bien, du spectacle pour le top 32 qui va avoir place maintenant. Et je suis bien entendu avec le deuxième pilote pour tous. C'est le public. Calmont, ça va ? Qui prend de l'élan, Wilson qui trouve la solution en sacrifiant sa ligne pour venir en contact. Départ un petit peu discret, Jordan Lapelosa très efficace qui au fil des manches nous démontre eh bien, qu'il est en train de se faire une place de choix au milieu des pilotes du championnat de France de drift. On revoit les images en zénithal avec Wilson Delagrange qui était loin, qui a vraiment sacrifié son premier virage. Bon sacrifice, puisque derrière on attrape tout de suite la portière de Jordan et on ne la lâche plus. Maintenant ça reste quand même une erreur hein, pour Wilson Delagrange, qui n'était pas proche dès le déclenchement. Et Wilson qui a vraiment sacrifié et puis derrière qui a essayé de respecter sa ligne. Qui s'élance dans les mêmes proportions, Jordan Lapelosa, loin derrière qui a coupé. Que se passe-t-il pour Jordan Lapelosa ? Où est Jordan ? Que se passe-t-il pour Jordan Lapelosa ?
Pas sa vitesse. Il redémarre. Non, je peux pas la mettre. La boîte. Comment de boîte. Vas-y. Ça c'est normal, c'est la vitesse en qui, mais embrayage. Quand tu débrayes à l'arrêt, c'est bon. Non. Enfin, j'ai de l'embrayage, mais. Bah, oui, bah, t'as de l'embrayage. Ouais. Bah, c'est la boîte. Si t'as l'embrayage, c'est la boîte. Ouais, c'est un peu pété. Franchement, ça me saoule, j'ai jamais de chance, quoi. Bah, ouais, c'est tout le temps en battle, frère. Pète toujours sur ta deuxième battle. C'est un truc de ouf. J'ai le chat noir, c'est pas possible. Rock en fond. J'ai pas assez de force. C'est quoi, ma poule? Cardan? Ma boîte. Non, la boîte. Oh merde. Ça me casse les couilles, c'est toujours la deuxième battle, ça me rend dingue. Ça me rend dingue, je fais des essais du turfu, frère. C'est bon, de quoi, BM? Ouais, ça se fout. Boîte cassée. En fait, c'est soit je casse, soit je tombe sur des monstres. Voilà. C'est incroyable. Ça me casse les couilles, mais au plus on pointe, c'est un truc de ouf. Hier, je fais des essais de la NASA, frère. Et là, voilà. Pourquoi? On n'a pas de shot. C'est mon premier run, il est parfait, quoi. Enfin, il est très bien, quoi. Ta ligne était parfaite en leader. Ligne était très bien, j'avais compris. Je vois, il part. C'est bon. Mais nous, du live, tu sais, on te voit qui part pas, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Ah non, ça rend ouf, ça rend vraiment ouf. C'est les couilles. Tout ce que je fais, c'est propre, mais la finalité, elle est pour. C'est pour ça qu'on te prépare une autre caisse, voilà. Tu n'auras pas ces soucis-là. Ah, tu ne peux pas tout avoir. Donc voilà, on l'a dit, cette caisse, si on la change, c'est parce que justement, tu n'es pas compétitive avec, parce que tu casses, elle ne peut pas aller au bout, elle ne peut pas suivre. C'est ça, on a la preuve encore aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas comme si tu étais en train de travailler sur ta prochaine caisse et que tu n'auras pas ces soucis-là normalement. Vas-y, c'est la même chose, mec. Appliquer la moyenne. En plus, je dis à Vos, quand je pars, je dis à Vos, c'est quand on était à la parade, tu sais, j'avais pas mon casque. Et je lui dis, sans mon casque, j'entends des bruits que j'entends pas avec le casque. Tu sais, le chou. Ce qui vous fait chier, c'est de ressortir tout le moteur. On est là. Le gars, ça fait 2 ans que je le vois me filmer, mais on est là, je connais. Ah, tu te demandes comment il fait pour descendre les marches. Mais comment tu fais? Bah en fait, une marche, ça fait toujours la même taille. Donc en fait, une fois que t'as compris, tu mets un pied devant l'autre. Tu te jures que je filme pas. C'est pas bête. C'est pas bête, Vortex. Je te jure que la prochaine fois, je fais des marches de 50 cm, 1 mètre. 50 cm. Ça part pas en sucette, votre histoire, là hein? Bon, Yoli, on fait le massage. Pas en sucette, ça part en suçoir. C'est parti. Tu t'as ouvert ta tronche, vas-y. Mais attends, on doit y aller à deux. Attends, il a besoin de moi, c'est un petit enfant. Hein. Ma mère, c'est vivant, votre la fait sucer. mais les frérots, moi, je me fais pas sucer dans un lac. Par des poissons. Mec, hey, la nuit dernière, il y avait des mecs qui pêchaient en face. T'as compris là pourquoi? Vraiment, la propreté de l'eau est à. T'es sûr de toi? Mais non, mais moi, j'ai pas du tout envie. Mais je t'aime bien, mais moi, frérot, je veux pas de maladie. Bah, au pire quoi, l'hystérie. Non mais je préfère sauter dans la piscine et... Oh, bah les couilles. Non mais frérot, je préfère sauter dans la piscine et que ça sonne. Par contre, je t'avoue, pour être parfaitement honnête avec toi, avec toutes les trousses de secours que j'ai, j'arrive contre ça. Tu sautes là-dedans, t'es mort. Dans l'histoire, c'est que là-bas, t'as quand même des super bouées. Oui. Il y a un moteur. Quel moteur? C'est tous les deux, ensemble, on va sauter une bouée, je monte sur la bouée et on revient. Mais vas-y, là pour demain, je suis vraiment chaud là. Non mais t'as vu où elle est la bouée? T'assumes rien toi.
Ah si, mais de quoi t'assumes rien? Mais frérot, t'es mal le truc. Bah quoi, il y a un radeau. Mais moi je garde mes chaussettes, hein, la tête de ma mère. Hein. Bah oui, mais crie carrément, quand tu mes chaussures, je regarde mes chaussures. Même quand tu fais l'amour, t'inquiète pas, c'est pas grave. Bah, non, mais ça, apparemment, quand tu gardes tes chaussettes en faisant l'amour, je t'explique un truc. Apparemment, t'as un meilleur orgasme. Ouais. Essaye, tu me diras. Max. Non, mais par contre, je suis sérieux là, par contre, rigolez pas. Quand tu gardes tes chaussettes, t'as un meilleur orgasme. Bah là, je suis pas loin là, franchement. J'ai mes chaussettes et mes chaussures. C'est qu'à chauffer. Non, par contre, on fait un truc, Adrien. On fait un truc. On est d'accord. Si je me fous dans l'eau, je vais gagner. Non. C'est ça le problème. Non, c'est qu'on est d'accord qu'on ne se pousse pas. Non. On arrive jusque là-bas. Après, moi, je te regarde sauter et on revient. Moi, je monte sur la bouée. Je saute pas dans l'eau. Je monte sur la bouée. Là-bas au fond. Il y avait des meufs qui se battaient dans la boue et tout. C'était sexy. Là, maintenant, t'as des gars de chez PSR, ils se battent dans la vase. On n'a pas de budget, frérot. On n'a pas de budget. Bah oui, mon t-shirt n'a rien à voir avec ton histoire. Prends pas le t-shirt des autres pour otage. Voilà, prends le celui d'Adri, tiens. Déjà sur le principe, tu t'es douché avant de descendre au barbecue? Non, donc tu pues déjà la mort. Non mais frérot, on va mourir là-bas, il y a des crocodiles et tout. Mais on a fait 8h30 de route, on n'est pas en Amazonie. Hein. Mais frérot, c'est un ragondin, c'est tout. Avec les chaussettes, en plus, comme ça, t'as un meilleur regard. Mais frérot, en fait, ce qui me fait peur, c'est pas l'eau en elle-même. C'est lui. Oui, il va me rendre fou. Attends, je te pousse. De quoi? Non, mais elle est attachée. Je suis dans le domaine médical, ne vous inquiétez pas. Tu me racontes, tu seras l'autre bout du monde, tu vas nager pour venir me sauver. Ah non, nique ta race. Et ils voulaient vraiment pas qu'on les vole. Voilà. Non, faites pas les cons, on vient nous chercher en bateau là. La tête de ma mère, il y a un bateau qui vient vers nous là. Ouais, c'est le bateau fantôme. Rien, Black Pearl, on a pas le budget, je te dis. Casse-toi, y'a un bateau, frère. La tête de ma mère, y'a un bateau. Non, on va se faire démonter, mon frère. Mais non, c'est pas un bateau. Mais c'est quoi? Et Théma, pourquoi ça s'arrête de s'illuminer? Ah, regarde, il est en train de couler là. C'est le Black Pearl. C'est quoi? C'est la perle noire. Ouais, on est en France. Encore une fois, y'a pas de budget. Vas-y, Jacqueline Sparrow, saute! T'as une amende, t'as tes papiers toi? Parce que tu nageais trop vite? Non, c'est une nana. Si, il bouge, frère, non. Regarde. De gauche, de droite. De gauche, de droite. Il a vraiment raison, il y a un truc là-bas mais qui arrive, mais c'est sûr. Et là, on se barre comme des bâtards. Ah bah là, moi je meurs. La piste elle est à droite, frère. De l'autre côté. Non, la piste elle est à droite, prends pas plus, frère. Là, par là-bas, c'est les alligators ragondins. Allez-y, les mecs. Bon voyage. Je peux pas... Tu connais le Titanic, il va y avoir la nouvelle version. Remets la boîte, s'il vous plaît, là. Oh, mais c'est le. Et qui c'est ça? C'est bien ou pas? Quoi? Vous leur dites qu'il ramène le. Ouais, pas problème. Après, c'est une récupération. C'est le retour? Ouais, faut rentrer. On a fait des bêtises hier soir? Un peu trop. Pas trop. J'étais gentillet. Ouais, on a fait un tour de bouée, ça va? Ouais, ça va. Y'a pire. Ça, c'était moins bêtise, mais c'était plus chiant. Fais à moi. C'est ma grotte. Allez. Ça va, toi? Ouais, ça va. Je suis un peu déçu quand même. Pourquoi? Bah parce que le deuxième aller qu'on allait faire en bouée, bah il y avait Pollux avec nous. Ouais, et je pense qu'Adri il aurait fait des dingueries là-dedans. Ouais, et toi je t'en ai pas lancé à la flotte. Non mais c'était tous une promesse. Ah non mais moi j'avais la promesse d'avoir le téléphone à Adri et c'était bon. Ah ouais. Moi j'étais serein, tu vois. T'étais sûr? Ouais. Alors lui. Lui dommage, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai peur de l'eau, je veux pas y aller, la boue elle est comme ça, c'est pas. Nous on rentre en mode comme ça. Lui il arrive. Bon, les gars, t'es monté là-dessus comme si c'était un Pearl Harbor. Quel week-end. Je suis content, mais je suis vraiment pas content. Je suis très satisfait de mon pilotage. Et pour une fois, je peux le dire. Pas du genre à dire ouais, c'était mortel, machin. Mais là, les essais, pour le coup. Les gars, c'était vraiment bien. C'était régulier, toujours le même run. Franchement, c'était bien. Pas fait beaucoup d'erreurs. Et je suis pas content bah parce que en fait, j'ai l'impression que j'ai une malédiction sur le top 32. Quoi. C'est une fois, je déjante. Une fois, deux fois, je casse un cardan. Et là, je casse la boîte et l'embrayage.
Donc voilà, j'ai l'impression que je suis maudit en top 32. La seule fois où je suis passé le top 32, j'ai fait top 8. Incroyable ça. Donc bon, bah je vais rentrer, je vais ressortir le moteur. Parce que bien sûr, la boîte n'est pas accessible en place. Obligé de tout ressortir, machin. Là, je suis fatigué. Là, je vous dis, là, mécaniquement, je suis fatigué. Et c'était bien hier soir. Pas bien. Oui. On va être déçus d'avoir retiré les fenêtres du touring bientôt. Oh, j'avais pas pensé à ça. Je les ai encore. Je les ai. C'est oui. Oui, parce que hier, il faisait 30 millions de degrés. Et là, il y a un orage qui arrive. Je crois qu'on va remettre les vitres. Hein. Oui, oui, oui. Branle-moi le tuyau là, KLS. Allez, c'est bon. C'est bon ? Je suis. Combien ? Ouais, c'est bon. 23h30. On est KO là. Là, c'était dur. Là, c'était très, très dur. À mon juge. Au bout de ta vie. Oui, même reste 2 heures encore. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les images de Max, les images 360 et tout. Et on vous fait des gros gros bisous. Et rendez-vous drift à Val-de-Vienne. Des bisous, abonne-toi. Et on se retrouve très vite. Bisous.